Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Notion Calendar, l'application qui permet de centraliser un ou plusieurs agendas Google Calendar et jusqu'à 10 calendriers Notion. On peut donc combiner son propre agenda de rendez-vous avec par exemple un calendrier des tâches ou un calendrier de publication. Notion Calendar est le nouveau nom de Krone, l'application de calendrier qui a été rachetée par Notion en 2022. Tout comme Notion, Notion Calendar est accessible dans un navigateur ou dans une application. L'application Notion Calendar est différente de l'application Notion et s'ouvre donc à côté. Seuls les calendriers des comptes Google et de Notion peuvent être connectés dans l'application. Notion Calendar se présente un peu comme Google Calendar, avec un calendrier de rendez-vous dans la partie centrale. À gauche de l'écran, on retrouve les différents calendriers auxquels nous avons accès. Et à droite, un bandeau dans lequel nous retrouverons les informations de l'élément en modification, ou si aucun élément n'est en cours de sélection ou modification, une barre contenant nos rendez-vous à venir, l'outil de partage des disponibilités et l'outil de création rapide d'un nouveau rendez-vous. Le menu Paramètres se trouve en haut de l'écran. Lorsque vous vous connecterez pour la première fois à Notion Calendar, vous connecterez un compte Google. Vous pourrez par la suite connecter plusieurs comptes Google et un ou plusieurs comptes Notion. Pour connecter les différents comptes, rendez-vous dans les Paramètres, puis Intégration. Pour vos visioconférences, vous avez la possibilité de choisir un outil par défaut dans vos nouveaux événements. Google Meet est déjà paramétré, mais vous pouvez connecter votre compte Zoom ou ajouter un lien vers un autre outil de visioconférence. Et ici, vous pourrez modifier l'outil de visioconférence par défaut. Comme dans tout outil d'agenda, vous pouvez créer vos rendez-vous et réunions. Pour initier un nouveau rendez-vous, vous disposez de plusieurs options. Créer la plage, puis paramétrer les invités, le lieu, le lien vers la visioconférence, ou partager un document. Une alternative rapide consiste à appuyer sur la touche C pour accéder au même menu de création. Et une troisième méthode permet d'inviter directement une personne grâce au champ Réunion rapide, également accessible en cliquant sur la touche F. Une autre option intéressante, les événements peuvent être glissés, comme dans beaucoup d'outils, mais là, nous ne sommes pas bloqués par l'écran. Nous pouvons déplacer l'événement sur des semaines ultérieures, contrairement à Google Calendar, qui ne permet pas encore cette fonction. Pour sélectionner plusieurs événements, maintenez la touche majuscule enfoncée, puis faites glisser votre souris. La navigation est plutôt simple dans Notion Calendar. Vous pouvez à tout moment cliquer sur la touche « point » de votre clavier ou majuscule « point virgule » pour afficher une barre de recherche et ainsi saisir la date à laquelle vous souhaitez accéder. Attention, lorsque vous renseignez une date, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, la recherche fonctionne uniquement en anglais. Donc, pour une date simplifiée, le mois est avant le jour. Pour une date longue, les mois doivent être écrits en anglais. Pour revenir à « Aujourd'hui », il suffira de cliquer sur la touche T. Les différents agendas peuvent être affichés ou masqués à partir du menu de gauche. Et enfin, une dernière fonction qui pourrait vous intéresser si vous travaillez avec des personnes à travers le monde, vous pouvez ajouter plusieurs fuseaux horaires sur la partie gauche de l'écran. Cliquez sur le petit « plus » à côté de la time zone, recherchez, puis choisissez le fuseau à ajouter. Vous pouvez le renommer en cliquant sur son nom et changer son libellé. Et si besoin, redéfinir votre fuseau horaire principal. Lorsqu'on utilise un outil au quotidien, les raccourcis deviennent vite indispensables. Notion Calendar ne fait pas exception et en possède déjà beaucoup. Et ils sont plutôt bien pensés.
Pour connaître la liste de tous les raccourcis Notion Calendar, cliquez sur les touches majuscules et virgule pour atteindre le point d'interrogation. Un autre indispensable est le CTRL-K ou Commande-K pour afficher la barre d'action. Ici, vous pouvez rechercher une action à effectuer dans l'outil, ajouter un événement, masquer ou afficher un agenda. Les raccourcis d'affichage peuvent aussi vous être utiles, comme dans Google Calendar, D affiche une journée, W une semaine et M un mois, mais vous pouvez aussi utiliser les chiffres de 1 à 9 pour afficher un nombre de jours. Utilisez majuscule et la roulette de votre souris pour vous déplacer vers la droite ou la gauche. Le raccourci CTRL majuscule point ou commande majuscule point pour agrandir ou zoomer les plages horaires. Et CTRL majuscule virgule ou commande majuscule virgule pour les diminuer ou dézoomer. Et bien sûr, pour quitter un événement ouvert, cliquez sur Échappe. Ici, nous allons parler de la possibilité de proposer un horaire de réunion à une personne et non de la prise de rendez-vous en automatique. Pour la prise de rendez-vous en automatique, vous pourrez continuer à utiliser Google Calendar directement ou votre outil de prise de rendez-vous. Ici, vous êtes en contact avec une personne et souhaitez lui proposer un rendez-vous parmi vos disponibilités. Dans l'accueil de Notion Calendar, cliquez sur « Partager des disponibilités ». Vous pouvez ensuite sélectionner manuellement les plages, modifier la durée et l'intitulé, le fuseau, les paramètres de visio et créer un lien d'invitation. Cliquez ensuite sur « Créer », puis copiez le texte ainsi que le lien d'invitation à transmettre à votre contact. Il pourra choisir parmi les horaires proposés et confirmer votre rendez-vous. Dans votre calendrier, tant que la personne invitée n'aura pas confirmé l'horaire de rendez-vous, les plages proposées apparaîtront marquées de hachures. Nous allons maintenant voir comment Notion Calendar intègre les bases de données Notion. Tout d'abord, vous devez savoir que vous êtes actuellement limité à 10 bases de données Notion dans Notion Calendar. Vous devrez connecter votre compte Notion, comme dans l'étape 2. Puis, vous pourrez choisir la base de données à connecter. Ici, j'ai connecté ma base de données calendrier éditorial et une base de données des tâches. Lorsque vous connectez votre compte Notion, l'outil connecte automatiquement certaines bases de données. Vous pouvez les déconnecter en effectuant un clic droit, puis supprimer le calendrier de la liste. Pour ajouter une base de données, celle-ci devra avoir une vue calendrier ou chronologie paramétrée dans Notion. Cliquez sur les trois petits points à droite de votre compte, puis « Base de données Notion », recherchez la base de données. Les événements ajoutés dans la base de données Notion sont visibles ici et modifiables. La synchronisation se fera également dans Notion. Vous pouvez ainsi les déplacer ou planifier vos blocs de temps sur la journée. Et dans Notion, on retrouvera une commande d'accès au calendrier pour les bases de données connectées à Notion Calendar. Attention, ces événements ne seront pas visibles dans Google Calendar et ne permettront pas de bloquer l'horaire si vous utilisez un outil de prise de rendez-vous par exemple. Ici, nous affichons les données venant des deux outils dans un seul endroit, Notion Calendar. Mais il est possible de mettre en place deux automatisations pour synchroniser vos calendriers directement dans Notion et dans Google Calendar. Si vous souhaitez mettre en place cette synchronisation entre Notion et Google Calendar, ma mini-formation Synchronisation Notion-Google Calendar avec Make est en pré-vente actuellement. Vous trouverez toutes les informations dans le lien sous cette vidéo. Alors que penses-tu de Notion Calendar? Penses-tu l'utiliser pour centraliser tes agendas et planning? Vos commentaires et likes sont ma seule rémunération sur YouTube. Si mon travail vous aide, vous pouvez soutenir ma chaîne en me laissant un message ou un pouce. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels.